C'était juste après Étoile, l'harmonie était le municipal, voilà. Qu'est-ce que c'est de cette harmonie? Alors, deux choses se croisaient, l'harmonie municipale, les gens qui faisaient une fanfare, c'est un thème qui est récurrent sur tous nos spectacles, il y a toujours une fanfare. Et puis, les histoires d'hommes et de femmes. L'harmonie municipale, c'était... en fait, l'envie de faire un spectacle sur les femmes et les hommes... Ça a été ça a été pendant l'année d'avant, en 95, il y a eu l'opération Storm en Croatie. L'armée croate, aidée par les Américains, récupérait la Krajina, qui est une région à l'est de la Croatie, pendant la guerre de Bosnie. Cette guerre m'a totalement traumatisé, je sais pas si on peut dire, mais touché, enfin, c'était l'horreur. Et puis je voyais des femmes serbes sur des charrettes qui rentraient, chassées par les militaires croates, qui repartaient vers l'est, vers la Serbie. Et il y avait les mêmes images quelques années avant, c'était des femmes croates sur les charrettes avec les tracteurs, et puis les femmes bosniaques aussi. Et en même temps, il y avait les massacres en Bosnie par les Serbes. Et je me disais, mais qu'est-ce que ces femmes ont dit à leurs fils? C'était peut-être pas la raison, ni la cause, ni rien, mais vraiment, je voyais le malheur des fils de ces femmes croates, bosniaques, serbes, qui créait le malheur partout là autour. C'était la guerre, quoi, en quelque sorte, avec cette idée des couillus qui veulent tout le temps se mettre sur la gueule pour leur connerie à la con, voilà, en gros, quelque chose comme ça. Et j'étais profondément déprimé de cette histoire, et je me suis dit, au Cirque Bum, je vais faire quelque chose sur les femmes et les hommes. Alors c'était en relation, sans être en relation, mais enfin, c'était puisé là-dedans, dans cette dépression... de cette histoire éternelle des hormones et de la barbarie et de la sauvagerie et de la horde, la horde, la horde, la horde, tout le temps la horde. Et j'imaginais qu'un homme au Cirque Plume aurait une ombre de femme. Voilà, puis c'est comme ça qu'a commencé. L'harmonie est-elle municipale, à défaut d'être universelle, quoi. On est parti là-dessus. Il y a une bande de femmes dans le chapiteau, puis il y a des mecs qui rentrent en fanfare et en pétant sur le plateau. Puis ça part là-dessus. Voilà, c'était pas très dramatique, c'était pas non plus un traitement. Personne ne pouvait savoir que ça venait de là. Mais ça venait de là. Ça venait de cette histoire-là. C'est. Voilà. J'ai toujours pensé que notre raison d'être, c'était de mettre un moment d'étincelle, de paix, de joie, d'être ensemble entre humains pendant 2 heures de temps sous un chapiteau. C'est la seule raison qu'on est, c'est pas grand-chose. C'est 2 heures de temps et tous ensemble dans quelque chose qui peut être commun à notre humanité commune. Voilà, c'est pour ça qu'on fait du spectacle, c'est pour ça qu'on fait le Cirque Plume. Alors c'est vraiment presque rien. C'est presque rien, mais c'est ça qu'on fait. Et c'est presque rien, j'y tiens. Et voilà, c'est pas la horde pendant ce moment-là. Et rien que le fait que ce soit pas la horde, c'est déjà pas mal, quoi. C'est le seul truc qu'on a pu faire.